6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 7h30, on va s'écouter Stromae, Beyoncé, Jay-Z et Pink. Ça arrive aussi pour vos voix préférées, sont là comme chaque matin. Dans moins de 10 minutes, c'est le retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec un message rempli d'espoir. Ah. Ça, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. C'est tout ce qui lui reste. Hein. De l'espoir, de l'espoir. Ça arrive, le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie dans moins de 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plath. Bonjour, parapluie ce matin, puis lunettes de soleil cet après-midi en Vaucluse et le long du Rhône. Les températures maxi seront proches des 15 degrés. Ce matin, Météo France a relevé 9 degrés à Avignon, 8 à Monteux et dans le Gard à Saint-Laurent-des-Arbres. Pour ce week-end, ce sera du plein soleil. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de fonds couverte à Avignon. Grand beau temps donc en préparation en Provence. L'occasion, pourquoi pas, de profiter des deux stations de ski du Ventoux, face nord ou face sud. La totalité du domaine est ouvert. À chaque fois, au moins 50 cm de neige vous attend en bas des pistes. Ce week-end qui approche est également synonyme de vacances pour l'Académie d'Aix-Marseille et la zone B. Vers le Ventoux ou ailleurs, certains vont prendre la route des pistes. Bison futé classe cette journée verte. Demain, lundi à Malin verra parfois rouge en Rhône-Alpes. Il joue ce soir à guichet fermé. Plus de 4500 tickets ont été vendu pour le spectacle de Dieudonné au Parc des Expos d'Avignon. La page sport du volleyball pour commencer, 20e journée de Ligue B et l'AVB 4e du championnat après sa défaite 2-3 face à Tourcoing le week-end dernier, se déplace pour affronter Plessis-Robinson demain. Déplacement également pour Orange chez nos voisins de Martigues. Lazon 3e devant Avignon, l'a emporté 3-1 face à Cambrai la semaine dernière. En foot et en bref, pour la 25e journée de Ligue 2, Arles-Avignon reçoit Nîmes ce soir au Parc des Sports. Enfin, au JO, la France compte désormais 15 médailles, 4 récompenses, rien que sur la journée d'hier. Une avant-première matinale spéciale U2 sur Énergie ce vendredi, à quelques mois de la sortie du nouvel album, sans doute au printemps. On connaît déjà le premier single, Invisible, mélange de modernité et de son plus old school. Pour l'écrire, Bono s'est replongé dans les souvenirs de ses débuts. Quitter sa ville natale, arriver à Londres, c'est un parcours que beaucoup de monde connaît. Un peu comme si vous montiez à Paris pour trouver un boulot. Alors on a dormi dans le métro avec nos chansons dans la poche. On croyait vraiment qu'on allait réussir ensemble. Mais quand je suis remonté à la surface, il y avait tous ces gens incroyables dans la rue. Ils avaient tous un style particulier, c'était l'époque punk. Et nous, à l'inverse, on avait l'air tellement normaux, on était comme invisibles. Alors on a fait ce que font les Irlandais dans ces cas-là. On a levé la tête, on a bombé le torse, on essayait d'avoir l'air confiant tout simplement. Avec notre regard, on disait aux gens, vous ne nous voyez pas, mais un jour ce sera différent. Je vous le promets, nous ne sommes pas invisibles. Bono et U2 seront sur la scène des Oscars le 2 mars pour chanter le single Ordinary Love nommé cette année. Voilà pour vos infos, 7h33. On est vendredi, c'est le 21 février. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre cette journée ensemble, on crée cette journée ensemble. On est là avec vous comme chaque matin. Mélanie est à mes côtés. Tout va bien. Moral est à la réalisation. Salut. Nico s'occupe du web. Ouais. Auriel au standard, n'est pas au standard. Elle est chez elle, elle dort, elle se repose. Ouais. Elle sera de retour très vite parmi nous. Mais vous pouvez nous appeler, bien évidemment. Le standard est ouvert. 0 870 42 48. N'hésitez pas, vous venez avec nous. Ce numéro de téléphone, je vous rappelle, il est gratuit. Ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez en téléphone fixe. 0 870 42 48. On va s'écouter Stromae, ça arrive pour vous. Il y a aussi Pink, j'ai envie d'écouter Pink avec Roulé sur glace, on n'a plus le temps de le passer, on va le mettre dans 2 minutes. Oui. Le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, ça arrive juste après. Avant ça, j'avais plein d'infos. Oui. J'ai des infos sur l'amour et j'ai des infos sur le salon de l'agriculture. D'accord. On peut allier les deux. Okay. Amour et agriculture. On va parler du salon de l'agriculture. Ouais. Le salon de l'agriculture ouvre demain à Paris. 700 000 visiteurs sont attendus. Oula. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. Qui viennent de la planète entière pour le salon de l'agriculture, pour aller voir des vaches fermeuses. Mélanie ? C'est hyper bien pour tous les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas l'occasion d'aller à la campagne. La campagne vient à eux et c'est sympa, je trouve. Mais oui. Pour les enfants et tout, c'est bien. Et alors demain, il commence par quoi ? Ouais. Ça m'a beaucoup fait rire, par un truc surréaliste. Pour l'ouverture du salon de l'agriculture, demain, au programme, championnat du monde de cri de cochon. Il y a des gens dont la spécialité est d'imiter le cri du cochon. On les appelle les cochonneurs. Et c'est pas une vanne.
C'est vraiment un vrai concours de cris de cochon. À quoi ça sert, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai concours. Mélanie ? Donc s'il y a un concours, ça veut dire que ces gens-là s'entraînent avant. Ah bah oui. Ah, j'aimerais bien voir ça. Comment tu t'entraînes à faire le cri de cochon, je sais pas. Essayons. Ouais. Mélanie ? Ça, c'est un cochon. Bah je m'entraîne, je suis débutante. Moral, le cri du cochon ? Bah, il y a deux techniques. Il y a la technique... Ah non. Et elle... C'est vrai, c'est deux cochons. Il y a deux écoles. Ouais, il y a deux écoles. Hein. C'est quoi la différence entre les deux ? Le cochon, oui. C'est celui qui est content. Ouais. Et le... J'ai compris. C'est quoi ? Ça, c'est l'actif. Et le passif. Allez, 7h36. Amour, poésie, glamour. C'est Manu dans le 6-9. C'est vendredi aujourd'hui, c'est le week-end qui démarre. Dans 3 minutes, c'est le Super 06 qui arrive, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Ce sera juste après Pink. Raise your glass sur Énergie.